Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, courte ou longue, je ne sais pas finalement. Aujourd'hui on est dimanche matin, vous voyez, il fait encore un petit peu nuit dehors. Qu'est-ce que je vais faire? Et bah tout simplement, j'ai un abonné qui s'appelle Aurélien, donc il va se reconnaître, qui est en panne avec son Porsche Cayenne depuis maintenant presque 3 semaines. Donc qu'est-ce qu'il a son Porsche Cayenne? En fait, tout simplement, il ne démarre plus. Il l'a emmené dans 2 garages si je vous dis pas de bêtises. Les garages, je ne sais plus s'ils n'ont pas trouvé la panne ou s'ils ne veulent pas intervenir dessus. Dans tous les cas, moi je lui avais un petit peu orienté la panne parce que je crois qu'au début les garages cherchaient un petit peu sans trop savoir. Donc connaissant parfaitement ce véhicule là, je me suis tout de suite orienté vers ses symptômes. Et ces symptômes correspondaient principalement donc à un problème de pompe. Les garages lui ont changé le bloc filtre, donc le bloc filtre blanc, comme je vous ai déjà fait une vidéo. Ça ne démarre toujours pas, donc je lui ai dit cherche pas plus loin, tes pompes sont mortes. Sauf que les garages n'ont pas accepté ou n'ont pas voulu le faire, je sais plus exactement, on aura sa version tout à l'heure. Donc du coup il se sentait pas capable de le faire, donc je vais lui filer un coup de main. On est dimanche matin, là il est 7h du matin. Je monte à Rouen, enfin au-dessus de Rouen, près de Barentin, donc à peu près 1 heure chez moi, et je vais aller le dépanner directement chez lui. Donc le véhicule n'est pas chez lui-même, il est chez sa belle famille, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que forcément le véhicule ne roule pas, donc il l'a mis au plus proche. Et bah écoutez, je pourrais pas le faire pour tout le monde, hein, tous les gens de la chaîne, ne me demandez pas de venir chez vous réparer votre véhicule. Je le fais parce qu'il est vraiment dans la panade, qu'il a personne pour le faire, et qui en plus il est à 1h, 1h15 chez moi, donc ça reste dans la mesure de mon possible. Un dimanche matin à 7h, 7h30. Allez les gars, on rejoint Aurélien et on se retrouve tout à l'heure. Moi j'ai oublié de vous dire, en plus d'aller le voir, j'embarque tout mon matos. C'est-à-dire que j'ai prévu des bidons pour vider son réservoir, une batterie, mon système de pompe que j'ai fabriqué, toutes mes valises, le manneau de pression pour bien diagnostiquer la panne, les batteries, le pétard, les caisses à outils et les outils, ainsi que les douilles spécifiques. Je pense qu'on est pareil, il y a un petit peu de kilo de matériel dans le coffre, mais c'est parti, on va dépanner Aurélien. Bon ouais, les amis, là je suis sur Rouen, donc il me reste encore 18 km pour arriver chez notre abonné. Alors ici c'est génial, c'est que vous êtes tous au courant un petit peu de ce qui s'est passé chez Lubrizol, donc qui produisait donc des hydrocarbures. Et bah ce qui est génial, c'est que quand vous traversez Rouen, votre bagnole elle gagne 50 chevaux. Et ouais, et tout ça gratuitement, tout simplement parce qu'en fait il y a tellement de carburant dans l'air que finalement vous gagnez 40 chevaux parce que votre bagnole elle aspire de l'air par admission, enfin de l'essence par admission. Alors c'est génial, là je vous dis, j'ai un Cayenne, c'est mieux que le... Ah putain, la caméra est courte. Là j'ai un Cayenne qui sort bientôt plus de puissance qu'un modèle turbo, donc là c'est génial, merci Lubrizol quoi. Bon, un petit peu de pollution, mais bon, ma foi, si ça peut booster les moteurs, moi je suis preneur, hein. Allez, trêve de plaisanterie, on rejoint notre abonné. Bon, salut les gars, on est avec Aurélien. Donc là on est à Rouen, hein. À Rouen c'est génial, c'est que votre réservoir il se remplit plus vite que ce que vous consommez, c'est super, merci Lubrizol. Donc on est avec le Caillou à Aurélien, donc il m'a raconté un petit peu l'histoire. Donc bon, le garage n'avait pas l'air de trop connaître les Porsches, donc il était barré pour démonter le réservoir pour changer de pompe. Donc il a préféré, avec toutes les péripéties qu'il a eues, récupérer son Cayenne et donc me contacter pour faire l'intervention. Donc on va vous montrer un petit peu son Cayenne, donc il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau au niveau carrosserie, etc. Il est super. Et moi, ce que j'adore, c'est son petit volant.
Son volant est vraiment magnifique. Alors certains aimeront pas, mais moi je vous ai déjà dit que tout ce qui est bois j'aime bien. Et le volant est vraiment super. Donc dessus c'est le 3.6 V6. Donc c'est le modèle V6. Il l'a fait équiper iFlexFuel donc chez ce même garage qui est... Donc en fait il a été testeur entre guillemets, parce que c'est le premier iFlexFuel qui a été posé dans ce garage là. Mais apparemment il y a quand même un gros manque de connaissances, tu me disais, du garagiste quoi. Ouais, donc il lui a remplacé son filtre à essence. D'ailleurs il a commencé par le nettoyer. Un filtre à essence ne se nettoie pas les amis, je préfère vous le dire. C'est comme si vous nettoyez un filtre à huile, hein. Ça sert strictement à rien, vous perdez votre temps. Donc là bah en fait il a, vous voyez un petit peu la qualité de travail qu'il y a eu. Au niveau des moquettes ici vous voyez c'est des pointillés, hein. Le gars voilà comment il a coupé ça, un peu comme un sagouin dégueulasse, alors qu'il suffisait tout simplement de suivre les petits pointillés qui sont derrière pour les moquettes. Donc je rappelle que les pompes sont sous les banquettes arrière, vous avez une pompe ici, une pompe là-bas, et vous avez le filtre ici, vous avez le régulateur de pression là-bas. Donc bah je vais pas vous filmer tout le démontage parce que tout simplement vous avez déjà un sur la chaîne YouTube, donc on va attaquer le démontage puis on vous retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on se retrouve un petit peu. Donc on a fait un petit peu de place, on a démonté donc les deux supports. Là j'ai amené mon petit système de pompe donc sur ma batterie pour tout simplement vider le réservoir. Donc tout ça vous l'aviez vu déjà sur la chaîne YouTube quand j'ai changé mes pompes personnellement sur mon Cayenne. Donc voilà, là on va tranquillement vider tout, puis après on va attaquer avec Aurélien le remplacement des deux pompes. Bon là c'est pause café, aujourd'hui c'est pas la bière, il est un peu tôt. Mais on va se prendre un petit café quand même. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on se retrouve, tout est sorti, donc tout est par terre. Donc là on a nos deux anciennes pompes, donc voilà, c'est caractéristique. Donc c'est pas l'essence qui cuit les durites, hein. Quand vos durites sont noires comme ça, c'est caractéristique d'un filtre à carburant qui est déjà bouché. Pourquoi? Parce qu'en fait ça jaunit un petit peu comme ça avec le carburant. Mais quand vous avez du carburant noir qui passe dedans, bah finalement ça finit par donner la teinte au tuyau. Donc là quand on sort des pompes qui sont dans cet état là, donc les deux sont dans cet état là, on sait déjà que à 80% le problème c'est le filtre à essence qui a colmaté et donc qui a flingué les pompes. Sur des pompes neuves, vous êtes sur du tuyau comme ça. Donc ça jaunit un petit peu de cette couleur là avec le carburant et les années, mais quand ça devient noir comme ça, c'est clairement qu'il y a un problème de filtre. Donc là on a nos deux pompes neuves. Le filtre à essence avait déjà été changé par le garage et on a le régulateur de pression qui se trouve ici. Donc là, bah, tout simplement avec Aurélien, on va attaquer le remontage tranquillou et puis on vous retrouve après. Bon les amis, ça y est, on se retrouve, c'est terminé, on a remonté, vous l'entendez. Bon, je suis pas sûr que vous entendez grand chose, hein. C'est un 6 cylindres donc il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais bon, ça y est, on est en train de refaire le plein d'essence là, donc on remet les bidons tranquillou avec mon système D et ma batterie là-bas. On remet les 75 litres de carburant, premier coup de clé il a démarré, bon ça tousse un petit peu le temps que le carburant, en fait que les bulles d'air soient consommées par le moteur, parce que c'est ce que j'expliquais à Aurélien tout à l'heure. En fait sur le Cayenne vous avez une arrivée, ça part directement aux injecteurs, il n'y a pas de retour sur la rampe d'injection qui va au réservoir. Ce qui fait que toutes les bulles d'air qui sont dans le tuyau, bah, tant que vous n'avez pas consommé le carburant qui est dans le tuyau, bah, vous avez des ratés de combustion. Donc c'est normal, ça dure à peu près 5-6 minutes, ça dépend si c'est un V6, un V8, la consommation tout simplement. Donc vous attendez que ça se stabilise. Ensuite vous mettez un petit peu de gaz pour consommer un peu plus tout simplement. Et là après on est à ce niveau là, donc vous voyez ça fait à peu près 3-4 minutes qui tourne. Et là si on accélère, je vous montre, hop. Voilà, il prend parfaitement les tours, donc il n'y a pas de souci, on n'a plus de bulles d'air, donc là ça fonctionne parfaitement. Donc Aurélien, sauvé? Ouais, un grand merci, parce que c'était pas évident à faire, hein. Voilà. Je crois qu'il était là. Donc le problème des pompes, c'est pas que c'est compliqué en soi, c'est qu'il y a énormément de durite et bah, on fait tout à l'aveugle tout simplement. Donc quand on ne sait pas où va quoi, et bah, on cherche pas mal de temps, parce qu'il faut passer les bras, on n'a pas de visu dans le réservoir, hein, donc tout se fait vraiment à la main quoi. Voilà, et bah écoutez, nous on va finir de remonter tranquille les moquettes et puis on se retrouve pour une petite conclusion les gars. Bon voilà les gars, SOS Cayenne en détresse, c'est terminé. Donc le Cayenne d'Aurélien refonctionne à merveille, hein, vrai ou pas? Vrai, impeccable, un grand merci. Bah merci à toi de ta confiance surtout. Bon, je préviens, je ne ferai pas ça pour tout le monde. Ne me mettez pas une liste du tour de la France pour réparer vos Cayennes. Là je l'ai fait pour dépanner parce que bon, il était vraiment dans la panade depuis un mois, il avait pas de voiture. Et que en plus ça reste quand même une distance relativement acceptable de chez moi. Donc là j'ai 1h10 donc ça va. Mais bon voilà, si vous êtes trop loin, je veux bien rendre service, mais dans la mesure de mes possibilités et de mon temps. Et ben Aurélien,
Je te dis merci une fois de plus. Un grand merci. Ouais. Et puis bon bah je crois que un abonné fidèle. C'est ça, ouais. La confiance totale. Bon voilà les amis, ça y est, je suis arrivé chez moi. Donc cet petit épisode de SOS, un Cayenne en détresse, comme j'ai appelé ça, est terminé. Donc voilà, c'est bon, je suis arrivé. Aurélien a retrouvé un Cayenne qui fonctionne parfaitement, donc c'était le but. Pourquoi j'ai accepté de lui rendre service? Tout simplement parce que ça fait un mois qu'il était en galère. Donc au début de la vidéo, je vous dis 2-3 semaines. En fait, ça fait un mois. Le temps passe vite, hein. Je suis débordé, donc du coup je vois pas le temps passer. Donc ça fait un mois qu'il avait pas de voiture, le garage le bernait un petit peu, c'est les pompes, enfin il savait pas que c'était les pompes, pour lui c'était pas les pompes, il voulait démonter le réservoir, bref il y connaissait un peu rien. La première fois il lui fait juste un nettoyage du filtre, alors qu'un filtre ça se nettoie pas, ça change. Bref, il a été pas mal berné, donc il a pris contact avec moi, je lui ai dit immédiatement que c'est un souci de pompe, j'ai l'habitude, donc je connais parfaitement ça, donc je lui ai dit, faut que tu changes pompe-filtre, donc finalement le garage lui change le filtre, mais il était pas chaud pour lui changer les pompes. Bref, pendant ce temps-là, il était en galère, sa voiture démarrait plus, c'est sa seule et unique voiture, Aurélien a deux enfants, donc du coup, voilà, c'est problématique, on connaît tous cette situation-là. J'ai pas pu aller le dépanner avant, parce que tout simplement, j'étais blindé de boulot, entre le boulot, la boutique qu'on est en train de mettre en route, etc., plus le tournage des vidéos, etc., j'avais vraiment pas le temps. Je m'excuse encore Aurélien de t'avoir malheureusement fait patienter. Et on a réussi à s'organiser ce matin, donc dimanche matin, je suis parti de bonne heure vers 7h30 de chez moi, j'ai fait la route, je suis allé le rejoindre chez lui, on a réparé son Cayenne, donc voilà, il est super content, son Cayenne remarche comme neuf, je dirais, ça a permis de contrôler 2-3 petites choses en même temps, je lui ai montré comment remplacer sa batterie, etc., quelques petits conseils, donc voilà, j'ai accepté de rendre ce service à Aurélien, j'espère que ça lui a fait plaisir, je pense, un grand merci à lui pour l'accueil, parce que franchement, il a mis... les grands plats reçus avec les croissants, les pains au chocolat, le café. Franchement, merci à toi Aurélien, ça fait super plaisir d'être reçu comme ça chez les abonnés. Voilà, il n'était pas obligé non plus de le faire, donc voilà. Merci à toi. Et puis vous les amis, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Pourquoi pas d'autres épisodes comme ça, pas régulièrement parce que malheureusement j'ai une vie et là je sacrifie ma vie personnelle pour pouvoir tourner ce type de vidéo là. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je peux pas vous dire. Voilà. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez. Je suis assez disponible. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, bye bye les amis.